Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve en famille pour un vlog méga super spécial. En fait, je sais pas si vous savez, mais il y a un parc d'attractions qui va ouvrir. D'ailleurs, c'est l'inauguration aujourd'hui, le 1er juin. Et c'est trop bien, c'est un parc qui va s'ouvrir à côté de Avignon, à Monteux plus précisément, qui sera ouvert le 16 juin prochain. Et on a été invité aujourd'hui pour l'inauguration, donc on va découvrir le parc et tout. Nous on est impatients, vous avez déjà mis quelques screens sur Instagram, sur Facebook et tout, de l'avancée des travaux. De quel parc s'agit-il les loulous? Du parc Spirou. Du parc Spirou, il est là-bas, regardez les amis, il est là-bas. Ils ont un petit peu de retard, oui mais ils ouvrent dans 15 jours. Donc nous on va aller découvrir ce super parc, oui ma louloute. Au-dessus au rocher, écrit... Spirou Park. C'est marqué Spirou Park, trop bien, le premier parc, vraiment avec licence du sud de la France, c'est trop bien. Donc là-bas, il y a papa qui nous attend. Coucou papa! Donc on va aller le rejoindre et on va aller découvrir avec vous, bien sûr, on vous amène avec nous ce superbe parc, je pense, familial, parce que Océane pourra faire toutes les attractions quand il sera ouvert. Oui, trop bien! Alors bien sûr, il fera 4 hectares et puis à terme, bah, 8 hectares, donc le double. Donc aujourd'hui, il ne sera pas entier parce que ben ils vont faire encore des travaux comme tous les parcs d'attractions. Ils vont continuer sur les années à venir et ils feront peut-être un manège par an. Donc on y va les loulous? Oui, mais c'est par là. C'est par là? Ouais, alors vous voyez, c'est pas encore fini. On est vraiment les tout premiers, c'est trop bien. Je suis trop impatiente de découvrir ça. Ben, il est frais. Oui, il est frais. Les loulous, ça y est, c'est officiel, on est rentré, pas encore dans le parc, mais on a passé le premier en fait, bouton de sécurité. Et regardez là-bas. Et ici, il y a en fait la fameuse statue. Alors là, il y a plein de gens qui attendent. Il y a la fameuse statue qu'on va découvrir après. Qu'est-ce qu'il y a, louloute? Il y a des animaux là-bas. Il y a des animaux, oui, tout à fait. Et qui sont ces animaux? Ils sont là-bas, on va aller les voir. Je vous amène avec moi, les loulous. Les voici, les voilà, Marsu et sa femme, ça y est, ils sont là, vous font coucou les loulous. Ouah, c'est trop bien. Vous êtes impatient d'entrer? Oui. Ouais, alors Océane a déjà ses petites entrées, on fait voir, tu as qui dessus toi? C'est Cotine, c'est Cotine, là, trop bien. Et toi, elles sont où tes entrées? T'en as pas donné, moi, pas venu chercher. Non, toi, t'as le plan et papa a déjà les entrées avec un acquis dessus. Tu veux lequel? Moi, je prends Marsu. Marsu, fais voir un peu, ça ressemble. Marsu. Papa, il a qui, fais voir? Gaston Lagaffe et maman Spirou. Spirou. Ouais, et on a le moi. Petit plan. Alors, fais voir, il est où le plan, Loulou, tu l'as? Alors bien sûr, le parc n'est pas encore fini. Oui, pas alors il est tout petit, hein. Il y a des simulateurs 3D de dinosaures et tout. Ouais, et puis après il sera bien sûr beaucoup plus grand, mais là c'est vraiment le début. Ça spoil pour la statue parce qu'on la sait, on le voit sur le plan. Ah ouais, mais on l'a pas encore vu en vrai. Elle est là-haut la statue. On va la découvrir après les amis. Voilà, on a des petits tours de Marsu et de Oubi. C'est Oubi, non je crois. Ça y est les amis, on arrive, donc là on a les caisses d'entrée, bien sûr on passera pas par là, mais on a Lucky Luke, Marsupilami et Spirou avec Spit. Donc là on rentre dans l'entrée et là, attention, attention, oh, c'est tout rouge, on se croirait dans le chapeau en fait. Non, on se croirait dans le cinéma aussi. On se croirait dans un cinéma, oui, mais ici ce sont... C'est un groom en fait, Spirou, oui, c'est le chapeau du groom en fait. Nous voici devant la première boutique du parc. Oui, et regardez, il y a la fille pareil. Ah oui, tout à fait ma chérie, tout à fait. Sauf que moi, elle n'a pas de nœud. Elle n'a pas de nœud, non. Il y a une super musique qui nous accueille en tous les cas. Donc là, on rentre dans la première boutique. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des Gaston Lagaffe. Ah, ça, on adore, nous. Hein. Bonjour. Bonjour. Waouh, plein. Bonjour. Eh bien, ils sont très accueillants ici. Ils sont comme ça. Ils sont trop chouettes. Ah, moi j'adore. Toujours à fond dès 18h. Ah bah ça c'est pour moi ça, tiens. Tant de choses à faire et si peu de temps. Ah, c'est cool ça. Ah, c'est bien pour des idées cadeaux. Je ne fais rien, mais je le fais. Ah oui. Trop bien, mais je le fais bien. Voilà. Ça c'est un peu plus pour papa. C'est plus pour 40 ans aussi. Il y a 40 ans plein. Alors là on est le coin en fait, Lucky Luke. Wow.
avec Rantan Plan, les Dalton. Regarde, Corentin, il est en fait très bien. Ouais, il adore ça. Ensuite, on a quoi? On a vraiment le t-shirt officiel. On a du Spirou, là, on a des... Ah, on adore ça. Faire les recettes. Ça, c'est cool, ça. Il y en a partout. Regarde les touffes. Oui, c'est Rantan Plan, Louloute. Tu connais peut-être un peu moins, mais moi, je connais vraiment beaucoup ça. J'adorais ça quand j'étais petite. Et là, donc, on a le coin Spirou avec les verres, hein, les t-shirts, les carnets. Ça, c'est gourde. On a quoi encore là-bas? Là-bas, on va un peu plus loin. On a Mars. Non, Lucky Luke. Waouh, elles sont chouettes, ces gourdes. Ouais. Trop belle. Mais par contre, ils se cassent. Hein. Regarde celle-là, les gourdes en métal. Trop bien. Ouais. Les mugs sont trop belles. En fait, moi, je crois que je vais acheter quelque chose. Corentin, regarde un peu. Un jeu d'échecs. Lucky Luke. Il est trop stylé. Trop stylé. Franchement, ils ont des super belles choses. Il y a une fille qui est trop belle dans le jeu d'échecs. Maman. Regarde. Maman. Ils sont so cute. Bonjour, lui. Regarde. Ah non, j'ai trouvé le plus cute de tout cute. Regarde. C'est Spit. Oh, il y a le doudou Spit. Regarde là-haut. Ouais, il est trop beau. Oui, mais ces doudous, ils sont pour bébé, c'est vrai. Eh bah oui, ils sont pour bébé, mais celui-là, non. Regarde c'est trop qui beau. J'ai vu. T'as vu qui? Marsupilami. Et regarde le loot. Quoi? Ici. Il y a la maman Marsu. En tasse, en mug. Oui. Trop beau. Ouais, le t-shirt est trop bien. Et là, il y a version. Quoi, en fait, là, il y a version homme et version femme. C'est quoi ça? Alors, ça, ce sont des petites. Des porte-monnaies, en fait, de Sécotine. Trop bien. Oh, des figurines à collectionner. Comme les pop, les amis. Trop bien. Waouh. J'ai vu ça qu'aux États-Unis, moi. Mais les en France, je n'ai jamais vu encore. Les roses, des roses. Des roses rouges, les blancs. C'est tout pareil, mais ça bah oui, c'est cacahuète, sauf bah que. Oui, non, je suis désolée. Moi, je suis la team. Les jaunes, c'est les meilleurs et les marrons, c'est les moins bons. Est-ce que vous trouvez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez une différence entre les M&M's jaunes et les M&M's, par exemple, bah, noirs, j'ai jamais goûté, mais les marrons. Moi, je trouve que les marrons sont beaucoup plus chocolatés. Les verts, ils sont à la pomme. Et le papa dit qu'il n'y a aucune différence du tout. Moi, je dis que c'est pas vrai. Alors, dites-moi dans les commentaires, moi, vous trouvez une différence ou pas? Moi, j'en vois pas quand j'ai. Quentin, toi, tu trouves une différence dans les M&M's? Non. Ouais. Ouais, tu vois. Moi, regarde ces dinosaures. Toi, eh ben, t'es trop nul. Voilà. Moi, je vois pas, je vois pas. Oh, dites-le tout dans les commentaires, mais les amis. Je pense que la pomme, je crois. Maman, les dinosaures. N'importe quoi. Toi, tu vas aller voir les dinosaures? Oui. Oui, allez, on va aller voir. Waouh, ils sont trop. Ah, peut-être qu'on prendra un petit souvenir. Ouais, ils sont trop cute. Bah, si, je l'aurais dit. Quand tu dis peut-être, je l'aurais dit qu'on. Oh, il est trop beau. J'adore. Oh, il est trop beau. Regarde, oh, Céane, regarde, toi qui aimes les serre-têtes. Oui, je les ai vus. Oh, Céane adore les serre-têtes. Ils sont trop beaux. Bon, on va peut-être aller ailleurs visiter le parc un peu. Ok? Ouais. Allez, bah, on y va parce qu'on s'est arrêté à la première boutique. Attends, et il y a tellement de choses à voir que. Ferme tes yeux. Ferme les yeux. Je ferme. Ah! Il ouvre pas la bouche, nananère. C'est un deuxième magasin. Il est ici, il est magnifique. Qui vend des livres, il est trop bien sculpté. Moi j'adore. Des trompe-l'œil comme ça, j'adore. Et lui vend à mon avis les BD de Marsupilami, forcément. De oh, Zombilenium, Lucky Luke. Bon, on va rentrer à l'intérieur, je vais vous filmer un peu tout ça, peut-être en musique.
trop beau. Les amis, la dame nous a dit qu'on pouvait tester le manège en avant-première. On va monter dans les petites fleurs. Est-ce que tu es contente, Louloute? Oui. Ouais, et c'est super parce que du coup, il n'y a pas de queue. Ça, c'est cool, il n'y a pas de queue. Ouais, là, c'est pas fini. La sécurité. Waouh, voilà. Trop bien. Papa, il est derrière, on le voit pas. Si, moi je le vois pas. Il est là, coucou papa. Oh Sabrina, Corentin, il dit t'inquiète pas, on montera pas le truc. Je dis pourquoi tu peux monter. Il dit oh, attends, c'est en avant-première, j'ai un peu peur. Il me dit non, puis t'inquiète pas. Ça y est, on a embarqué dans les jolies fleurs, trop trop belles. On a pris la rose parce que Océane voulait une rose. Et il y en avait une autre là-bas. Et là-haut, on a Oubi. Oubi. Je crois que c'est Oubi, hein. Je sais plus. Mais pas dans les commentaires. C'est Marsupilami maman en fait. C'est la fille. Ouais. Et ça, ce sont ses fleurs qu'elle préfère en fait. Donc là, on y va. Là, on a la manette qu'on va devoir activer pour monter et descendre. C'est trop bien. Regardez, le parc est totalement vide. Ouah, trop belles les fleurs. On va le voir en entier, je crois. Trop, trop bien. Voilà. Après ce premier manège, trop bien, trop bien. Oh bah ça c'est plutôt un bon point alors. Ça y est, premier manège et manège trop bien. Cool. On va faire. Alors moi franchement, j'ai trouvé que on voyait vachement bien. Il y a vachement de place en fait dans les fleurs. On n'est pas les trois du tout. Et là tu veux faire quoi, Louloute? Le train là-bas, le gigantesque. Le train là-bas, gigantesque. On va peut-être. On va peut-être commencer par celui-ci un peu plus sorcenant. Ouais. Et puis après on montera, hein. Parce que passer direct au gros, doucement, hein. C'est le matin, hein. Quand même. moi j'ai pas envie de me décoiffer. Les loulous, maintenant on va tester une deuxième attraction qui est le Fantasio Rodeo. Alors regardez ce que c'est en fait. C'est une voiture qui va en haut en bas en fait et qui tourne sur elle-même. Donc là on va embarquer et on vous retrouve tout de suite. Voici le manège qu'on a testé à l'instant. Donc il est trop trop bien. On n'a pas pu prendre malheureusement la caméra à l'intérieur. J'avais pas pris la GoPro, j'avais pas prévu de faire du manège aujourd'hui. Donc voilà, mais je vous montre un peu un petit aperçu. Et franchement c'est trop trop bien. Ça tourne dans tous les sens. On l'a fait au milieu, on l'a fait aux extrémités. Et franchement aux extrémités il y a plein de sensations. C'est là-bas la queue. Loulou, ça t'a plu ou pas? Est-ce que ça t'a plu, Loulou? Oui. Ouais, c'était bien, hein? Oui. T'as préféré au milieu ou sur les côtés? Sur les côtés. Sur les côtés? Tu voudras le refaire? Ah ouais. Ah ouais, trop bien. Gourmande, je t'ai vu. C'est bon? C'est des bagels. En parlant de ça, regardez ce que le papa a repéré. Il voudrait qu'on nous fasse ça en vidéo. Alors qu'on vous fasse ça en vidéo. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo de cette recette. C'est italien apparemment. Donc je vous attends dans les commentaires. Et puis moi je vais goûter, mais j'ai pas goûté, je vous dis si c'est bon. C'est super bon, c'est super bon. Je réalise et je la prends aussi. Je vous demande à votre ami, en fait, je vais faire un autre. Les amis, on a trouvé d'autres youtubeurs, alors ils vont se présenter. Alors salut Tessien, moi c'est Pepper Ludo. Analogix, et voilà. On présente le Lutessien. Voilà, donc c'était une chaîne d'information sur les parcs d'attractions, donc en France et en Europe. Donc on vous invite à vous abonner. Si vous aimez les parcs d'attractions, les amis, allez voir un peu, on vous mettra de toute manière le lien dans la barre d'infos. Et puis moi, la première, je vais aller voir avec les loulous, parce que le parc d'attractions, on adore ça. Bon, ben bon courage et puis bonne journée aussi. Bon courage à vous aussi. Ben merci. Salut les abonnés. Et puis à plus tard dans les commentaires alors. Ouais, à plus tard. Alors là, les loulous, on arrive au niveau des simulateurs. Là, on a un énorme dinosaure. Oh, fais peur, hein. Oh, oh, moi j'ai trop peur, moi j'ai trop peur. On va mesurer la puce. C'est bon. Bah
Est-ce qu'elle peut faire attends, il y a quoi là-dedans? Il y a des souris. Attends, qu'est-ce que ça fait? Non, en fait, c'est un simulateur, Loulou. Tu sais? Comme tu fais des fois un peu, comme... tu sais, les trucs où c'est un cinéma avec un écran avec des lunettes, je pense que c'est ça. Les amis, on a terminé les dinosaures, mais on n'a pas pu filmer. Et puis bon, ils n'étaient pas tout à fait opérationnels, mais bon, le 16, on vous fera une petite vidéo. Et là, on va s'attaquer au Wanted by Lucky Luke. Alors ça, c'est avec les Dalton, il y a des wagons et tout. On va faire en fait un des trois coasters en fait du parc. Donc là, c'est un des moins violents. Et après, on verra, peut-être on bifurquera sur celui-ci. Et pour le moment, on va faire le Wanted by Lucky Luke. Je sais pas si je vais avoir le droit de filmer. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Moi, j'y vais pas sur les manches. T'as peur? Tu veux que je teste avant, c'est ça? Non, je le fais même pas. Mais il n'y a même pas de ralentisseur, ils sont fous, mais les types. Mais si. Pour monter, il n'y a pas de ralentisseur. Mais si, il y a des ralentisseurs, Loulou. Bon, on va voir si quand t'as honte ou pas. Moi, en tous les cas, je vais monter là-haut. Le coaster qu'on vient de faire ici, là, en fait, il est tout tranquillou. Franchement, pour les petits, c'est super. Hein, c'était bien? Et bon, bah désolé encore une fois, j'ai pas pu filmer, bah, je n'ai pas pris ma GoPro, mais la prochaine fois qu'on revient, forcément, je vous amène avec nous. Et là, on va faire le gros coaster qui est ici. Pareil, on va pas pouvoir filmer, mais peut-être que Corentin pourra filmer, qui va rester au sol. Tu veux rester au sol, toi? Non, on va faire d'autres trucs. Tu vas faire d'autres trucs? Ok. Oui, bon, bah lui va faire d'autres trucs, et puis bah, de toute manière, je vous filmerai ça avec la GoPro. Là, normalement, en fait, on devait pas tester les manèges. Et puis, bah, grande surprise, ils ont réussi à en ouvrir certaines attractions. Donc, bah, on peut les tester. Mais bah, du coup, c'est la surprise pour la prochaine vidéo. Donc, restez avec nous, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Alors, après le fameux coaster qui est ici, Cossian n'a même pas crié d'ailleurs, hein, qui était trop bien. Eh bien, on va faire les chaises. Qu'est-ce que tu fais, papa? Qu'est-ce que tu vois, papa? Ah, il a la langue toute bleue. Ah, mais c'est pas le parc des Schtroumpfs ici, c'est le parc Spirou. Non, le parc des Schtroumpfs. Je pourrais être accompagné de toi. Et là, on va faire le champignon de Champignac.
trois tours de ce truc-là. Là, allez monter là-haut. Trois fois quand même, Océane. Allez monter. Une fois derrière. Une fois au milieu. Et une fois devant. Tout devant, tout devant. Vous voyez, tout le vide. Alors, quelle est la fois que tu as préférée? Tout devant. T'as même pas eu peur? Non. Elle a pas eu peur alors que papa l'a même pas fait, ni Corentin, parce qu'ils ont eu trop peur. Et je crois que Corentin, il va se laisser tenter pour la première prochaine fois. Il est là-bas. Lui, il allait faire le plus petit avec son papa. Et toi, c'était bien avec papa? Oui. Trop bien. Le plus petit, c'est lui. Les loulous, comment c'était cette petite journée au parc alors? Trop bien. Alors, on a pris plein de couleurs parce que dans le sud, bah, il fait beau. Donc, bah, pensez aux crèmes solaires quand même. On pensait pas qu'il fasse si beau, mais on a passé une super bonne journée. Quel est le manège que vous avez préféré, même si tout n'est pas ouvert, je vous le rappelle les amis? Alors moi c'est l'été, c'était les grandes montagnes là que j'ai fait trois fois. Les grandes montagnes russes, et toi Loulou? Moi c'est... Alors moi j'ai pas fait les grandes, mais c'est quand même la limousine qui tourne. Ouais, ça c'était cool aussi. Ouais, mais après en fait comme elle tourne et quand t'es aux extrémités, ben, ça fait du bien. Regardez. Wow, elles sont trop belles tes oreilles. Alors, Océane est passée par la boutique, donc a acheté des super petites oreilles. Et moi, Corentin, sa première BD de Spirou. D'ailleurs, on a des super sacs. Hein. Ils sont trop alors, beaux. Alors, c'est Gaston Lagaffe. Ah oui, Gaston Lagaffe, gare au gaffe. Donc, c'est bah, dans 15 allez, jours, on va te reprendre une petite BD parce qu'on revient dans 15 jours, les amis. On vous laisse, on vous fait des gros bisous. Et puis, bah, si vous venez à l'ouverture officielle, le 16, eh bien, on vous, bah, venez nous voir et on vous fait des gros bisous. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Bisous les amis, ciao, ciao. Mouah.